Bonjour, je m'appelle Lise Hajj-Nicolas et je suis un orthophoniste ici au Centre Neuropédia, le premier centre pédiatrique exhaustif en neurosciences dans la région. Tout d'abord, commençons par expliquer c'est quoi une orthophoniste. En fait, c'est un thérapeute paramédical qui évalue, qui diagnostique et qui traite les troubles de la communication chez les personnes de tout âge. Par communication, on signifie la communication verbale, certes, mais aussi la communication non verbale, comme par exemple le contact oculaire, l'imitation gestuelle, le pointage ou autre. L'orthophoniste travaille avec toute pathologie qui touche la parole, comme par exemple l'articulation ou la phonologie, qui touche le langage oral, comme par exemple l'expression ou la réception, qui touche le langage écrit, comme par exemple la dysorthographie ou la dyslexie, qui touche la voix, comme par exemple la dysphonie, ou même qui touche la déglutition, comme par exemple la déglutition atypique ou la dysphagie. Dans cette vidéo aussi, nous parlerons du trouble du spectre autistique ou le TSA. Le TSA est un trouble développemental qui touche la communication verbale ou non verbale, d'où le rôle de l'orthophoniste. L'orthophoniste, en ce cas, fait son bilan pour évaluer les capacités de l'enfant dans les différents domaines de communication, suite auquel il ou elle établira un projet thérapeutique pour travailler sur ces domaines affectés, comme par exemple la communication verbale, la communication non verbale ou la pragmatique ou ce qu'on appelle l'utilisation du langage. Ceci sera possible à travers des moyens de communication augmentatifs si la personne peut verbaliser ses besoins ou des moyens de communication alternatifs si elle n'en peut pas. Par communication alternative, on peut utiliser par exemple les gestes, les cahiers de communication, les pictogrammes ou autres. Donc, les moyens utilisés dépendent de l'enfant, mais l'objectif commun sera toujours à augmenter la volonté et le désir à communiquer, et ceci à travers des moyens de communication qu'on peut offrir à l'enfant. L'enfant, dans ce cas, sera plus en plus autonome et du coup, il sera plus prêt à s'intégrer dans sa société. Si vous avez n'importe quelle question ou vous avez besoin d'un opinion expert, vous pouvez nous rendre visite ici au centre. C'était Lise Hajj-Nicolas, l'orthophoniste au centre Neuropédia.